Musica Musica Disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes bien sur notre plateau de EPV TV, télé qui efface les frontières et nous unit de tous bords, de tout continent vers le trône de la grâce béni des dieux Elohim en lui Christ et Jésus par le billet du Saint-Esprit. Bienvenue dans notre et votre émission La Voix du Conseiller, un moment for formidable devant les grands trônes béni des dieux Elohim. Alors frères et sœurs, vous amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, je vous invite de partager euh, euh, cette émission, d'inviter, de partager avec des amis, inviter des amis autour des grands trônes bénis des dieux. La Bible déclare que ceux qui s'approchent des dieux doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Voyez-vous, j'ai toujours l'habitude de vous dire en conformité avec la parole de Dieu, que la Bible dit, Jésus-Christ dira dans les évangiles, dans Romains, celui qui parlera de lui à un homme, lui aussi devant le grand trône béni de Dieu, Elohim parlera aussi de lui. Il n'y a pas aussi quelqu'un qui peut mieux présenter une personne devant le grand trône béni de Dieu que lui-même, Yohoshua, Abmashia. C'est pourquoi il y a un frère, il y a une famille qui n'attend juste ton clic. Hein, je vous dis toujours que votre clic est une évangélisation, et j'en ai de preuves tangibles. Nous ne disons pas ces choses par, par, par altruisme ou bien par générosité, mais nous disons ces ce choses-là parce que ça se réalise exactement. Nous recevons des appels de frères et sœurs, de familles qui nous appellent de partout. Je vous assure de partout, en Afrique, aux États-Unis, en Suisse, en France, au Congo, à Lubumbashi, partout nous recevons des appels grâce à ce travail que nous faisons tous ensemble de l'évangélisation. Alors ne garde pas ces trésors pour euh, ne gardez pas ces trésors pour vous-même et partagez à des frères et soeurs. Aujourd'hui, nous étions dans la présence de Dieu et il nous a inspiré euh, un message formidable, un message qui va nous faire du bien. Je suis une sémence de vie. Voyez-vous, je suis une semence de vie, je germerai parce que à moi je porte les germes de la vie. Voyez-vous, nous allons essayer un peu de récapituler. Quand vous prenez votre Bible, frères et sœurs, ramenez votre Bible jusqu'au livre des Malachis. Vous allez voir que nous sommes bien à la voix du conseiller. La voix du conseiller, nous avions dit, euh, Jésus-Christ au centre de son Église. Hein, cette émission est christocentrique. Hein, Dieu m'a dit, je t'ai suscité en tant que prophète en ces temps de fin de la grâce pour ramener hein, l'Église, pour ramener Christ au centre de son Église. Parce que Christ a été aussi... Boosté en dehors de son église. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit Je t'ai suscité en tant que prophète de ce temps de fin de la grâce, afin de ramener Christ au centre de son église. Je suis une sémence de vie. Nous ne cesserons de le dire car est l'objectif de cette émission de ramener Jésus-Christ au centre de l'église, car nous sommes au temps de fin de la grâce. Voyez-vous Donc quand vous ouvrez votre Bible, Jusqu'au livre des Malachie, vous allez voir que vous avez des parties de votre Bible. Vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est important pour nous de situer l'église locale et l'église corps de Christ à l'heure que traverse l'église. Nous sommes au temps de fin de la grâce. Nous l'avions dit que l'Ancien Testament n'est pas aussi l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament n'est pas aussi la Nouvelle Alliance. Nous avions dit que l'Ancien Testament, c'est bien les documents écrits de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme par le livre de Matthieu jusqu'à à la consommation donc jusqu'à l'Apocalypse la gare centrale à ne pas confondre avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance donc le testament c'est c'est un document écrit au cours de laquelle la personne dispose la manière dont euh, ses biens seront distribués après sa mort donc c'est un document écrit mais l'alliance c'est un pacte en hébreu nous avions dit c'est bérite comme il s'agit d'un Dieu qui fait pacte avec l'être humain, nous avons adopté le terme euh, « alliance » ou le terme « pacte ». Donc nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et nous avions et précisé par cela que l'Église est autant de fin de la grâce. Nous sommes au temps de l'ange pentecôtiste, l'ange de l'Odyssée. Nous sommes au temps de post-pentecôte. Donc la pentecôte est dans l'actualité. L'Église commence par là. Et nous avions dit, pendant ces temps-là, c'est les sadicéens et les pharisiens qui battaient le plein. Donc la loi de Moïse battait le plein. Et nous avons expliqué quand Jésus-Christ est venu, que s'est-il passé? Donc il est important, frères et sœurs, disciples du Seigneur Jésus-Christ, vous qui nous suivez à ce moment, peu importe. La dénomination de l'église locale où tu te trouves, peu importe le lieu où tu te trouves, il est important que nous puissions ensemble comprendre que nous sommes au temps de fin de la grâce. Jésus-Christ est venu et il a accueilli. Accomplit la loi. Voyez-vous, et nous avions bien souligné et bien expliqué que le problème, ce n'était pas la loi. La loi était aussi sainte, le commandement pur, juste et bon. Mais c'est l'homme qui était faillible, c'est l'homme qui n'a pas pu comprendre ou, ou, ou supporter la façon où Dieu s'est révélé dans l'ancienne alliance. Il était incapable d'obéir au commandement et à la loi de Dieu. Mais comme Dieu ne choue pas, lui-même, il est venu en la personne de Jésus-Christ et il a obéi au commandement et à la loi. Donc, il a fait tout le travail à la place de l'homme, et l'homme est devenu bénéficiaire de son travail. Donc, le travail que tu en fait, la grâce, c'est le travail que tu n'as pas fait. Quelqu'un d'autre a fait pour toi, et toi, tu es bénéficiaire de ce travail. C'est pourquoi nous appelons ces temps ici le temps de la nouvelle alliance. Donc, l'alliance de Jésus-Christ, l'alliance de la grâce ou la nouvelle alliance. Voyez-vous Donc, par là. Devons comprendre que nous sommes au temps de fin de la grâce. Donc, la grâce tire à sa fin car les signes que Christ avait révélés, ces signes-là, nous sommes dedans. Nous ne sommes pas en train d'attendre que ces signes s'accomplissent, mais nous sommes dans ces signes. Alors nous avons expliqué, il est important, frères et sœurs, vous qui me suivez, partout où vous êtes, à n'importe quelle église locale où vous vous trouvez, eh, il faut essayer de, de, de comprendre bien ces choses-là. Qu'est-ce qu qui s'est passé réellement quand Jésus est venu Nous l'avions dit que dans l'ancienne alliance, il y avait Aaron comme serviteur de Dieu. Voyez-vous, il y avait Aaron. Comme celui qui présidait dans les cultes de Dieu. Il y avait Aaron comme prophète. Il y avait Aaron comme pasteur. Il y avait Aaron comme évangéliste. Il y avait Aaron comme apôtre. Il y avait Aaron comme docteur de la parole de Dieu. C'est lui qui était le maître des cérémonies dans le temple visible de Salomon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu Donc, Il y avait Aaron, il y avait les temples, il y avait des sacrifices. Quand la personne péchait, il amenait ceci, il amenait cela, des objets physiques et réels. Mais ces services d'Aaron, de Mouton, physique, des animaux. Hein, Ce service-là n'a pas pu établir une relation Permanente et continuelle entre l'homme et Dieu. Parce que c'était ça l'objectif principal. Dans le jardin d'Éden, à la première alliance, l'intimité, la, la, la communication, la relation et la communion qui existaient entre l'homme et Dieu a été interrompue. Donc, depuis ce temps-là, jusqu'au niveau de la construction du temple, le tabernacle et tout consort, sort, l'objectif de Dieu était de réconcilier l'homme à une communication et relation permanente avec lui. Parce que, de par cette communication et découle toute bénédiction que nous cherchons aujourd'hui dans la présence de Dieu, une bénédiction naturelle, physique dans le siècle présent, mais aussi la vie éternelle après la mort ou que Jésus revienne nous trouver en vie où nous serons transformés en un clin d'œil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu La Bible a dit il est l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans la Loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Et quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé Aaron est remplacé par Jésus-Christ, voyez-vous, l'offrande est remplacée par Jésus-Christ. Le temple visible de Salomon que les disciples ont montré à Jésus et le Seigneur les a dit, je vous le dis en vérité en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. ces temple physique et réel qu'on voyait dans l'ancienne alliance, ces temple-là dans la nouvelle alliance est remplacé par le temple céleste, voyez-vous, et dans Hébreux chapitre 8 et le verset 8, nous l'explique clairement le dé temple et le Montagne. Donc, ce temple-là physique est remplacé par le temple céleste. Ah, par contre, le temple de Salomon, nous l'avions vu, mais là où Jésus est sorti du trône, on ne l'a pas vu. C'est ça le mystère, c'est ça son église. Et lorsqu'il est venu, il a construit son église auquel il est la tête. Voyez vous, et nous l'avions dit mille fois ici, il a dit les renards ont des tanières, les nids ont des les oiseaux ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Mystère. Voyez vous donc, un mystère, c'est une révélation qui n'a jamais été révélée dans les temps anciens et que Dieu, par son amour, le révèle à un homme. Voyez-vous, dans ce qu'on appelle les mystères, dans l'église de, 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 de Jésus-Christ, est un mystère. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de mes d'hommes. Donc c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau indistinctement de leur race, nationalité, ethnie et tribu. Et tous ces rassemblements des saints constituent ce qu'on appelle l'église corps de Christ. Donc par là, c'est fini l'histoire des sacrifices. Donc il n'y a plus de sacrifices à payer. Donc si vous êtes dans une église et que pour une guérison, pour une révélation, pour, pour quelque chose, on vous demande, il faut payer des sacrifices, il faut payer ceci, il faut payer cela, c'est terminé. Jésus est venu, il a accompli euh, 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 la loi de Moïse. Nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au, au, au temps de salut par la foi au moyen de la grâce, la faveur imméritée. Et aujourd'hui, nous allons euh, dans cette euh, euh, dispensation de la grâce, le Seigneur nous a donné un message euh, sur, euh, je suis une sémence de vie. Voyez-vous, je suis une sémence de vie. Alors, ce livre où je suis une sémence de vie, nous allons l'introduire par le livre de Galates, chapitre 3, le verset 10. La Bible dit. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, si on vous parle de sacrifices, si on vous parle des cures d'âme, si on vous parle de, si de liens, s'il y a plusieurs moyens avant d'arriver à Jésus-Christ, à ce temps de fin de la grâce, donc vous êtes sous la malédiction. Donc, si. Par contre, il y a plusieurs moyens. Il faut passer par des cures d'âme, il faut passer par des délivrances, il faut passer par des sacrifices, il faut passer par beaucoup de choses. Si vous êtes encore dans ces choses-là, ce n'est pas moi. La Bible, est dans Galates, chapitre 3, le verset 10, la Bible dit Maudit soit celui qui n'observe pas ce livre de la loi. Donc, c'est lui qui est encore par plusieurs moyens. Et cette personne-là est en violation avec la deuxième loi de Moïse. La Bible dit Tu n'auras pas de représentation sur terre des choses qui se trouvent dans les cieux, tu ne le voueras pas à un culte, tu ne te prosterneras pas devant elle. Je suis l'éternel. Comment quelqu'un de comme cela, qui est en abomination devant l'éternel, qui est en violation avec la deuxième loi de Moïse, peut aussi se dire que nous adorons le même Dieu Parce que quand nous allons dans, à l'église, nous, nous, nous allons pour être heureux, nous voulons avoir une vie meilleure sur terre et nous voulons aussi avoir une vie éternelle au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais il n'y a pas plusieurs moyens pour atteindre. Euh, Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il n'y a pas de chemin. Le message est christocentrique. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous amène à l'accès vers le trône de la grâce. Si vous êtes dans une église, après une révélation, après une vision, au nom du Saint-Esprit ou au nom de la plénitude de la retraite, on vous dit, eh, messieurs, madame, vous avez tel esprit, vous avez tel démon, mais après avoir révélé les choses, nous disons Alléluia et Amen, nous avons besoin de ces dons dans l'église après cette révélation, le pratique qui s'en Si jamais la personne vous dit maintenant Dieu m'a révélé, mais il faut aller dans 40 jours, les 40 jours doivent avoir pour objectif d'établir ta relation et ta communion avec Dieu le Père. Jésus-Christ ayant le paraclet, l'avocat par excellence, l'intermédiaire qui nous met en contact avec le Père, lui-même étant le Père dans la dispensation du Fils ou dans la révélation du Fils. Mais si après une révélation, on on te dit, euh, Dieu m'a révélé, il faut que tu amènes 300 euros, il faut que tu amènes 400 euros, il faut que s'il y a plusieurs moyens pour atteindre Dieu, ça c'est la loi de Moïse. Voyez-vous, je vous ai dit, il y a des prédicateurs de la Nouvelle Alliance, ils sont dans la Nouvelle Alliance, mais leur chair se trouve encore sur la montagne de Moïse. Voyez-vous, ils prêchent la loi. Et notre, notre objectif avec les Seigneurs, c'est de ramener l'église corps de Christ dans la Nouvelle Alliance. Voyez-vous, donc ramener Jésus-Christ, le maître de l'église, la tête de l'église, au centre de son église. Parce que n'oubliez pas, la prophétie nous le dit, Christ l'a dit dans Matthieu. Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le sein de Sam, que ceux qui lisent les Écritures fassent attention. Matthieu 24, sur le signe de son retour, nous le révèle aussi de façon claire et distincte. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le sein de Sam, que ceux qui lisent les Écritures fassent attention. Il dit lorsque vous verrez l'olivier naturel pousser ses branches, lorsque vous verrez Israël lancer d'assaut pour reconquérir toutes les villes voisines, vous qui lisez les Écritures, Faites attention, avertissez le peuple. Et oui, nous sommes au moment où, ce n'est pas le moment où les signes vont venir. Les signes sont déjà là. Et nous sommes dedans. Voyez-vous, et à ce temps de la fusion du Saint-Esprit, à ce temps post-Pentecôte, tout se permet à l'Église au nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut que nous soyons fondamentalement assis dans les Écritures pour éclairer le peuple de Dieu à, à ces sujets. S'il vous plaît. Donc cela veut dire quoi? Satan va arriver jusqu'au trône même de l'Église. Voyez-vous? Jusqu'à la tête de l'Église. Jusqu'à même à diriger l'Église. Voyez-vous? Ils viendront en vous en des brebis, mais à l'intérieur, ce sont de loups ravisseurs. Donc, peuple de Dieu, à ces temps de fin de la grâce qui traverse l'Église, soyez, soyez comme les chrétiens de, 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 de Béret. soyez de Béréens. vérifiez tout à la lecture de la parole de Dieu. Ne soyez pas naïfs ou naïve, parce qu'on te donne une révélation, parce qu'on dit tu es ceci, on te lave, on te verse des choses, on te demande tout ce qu'on peut te demander, sachant que tu es ignorant, ne sois pas naïf lorsque tu es dans une église locale que celui qui est devant, il est appelé par Dieu, il reçoit une révélation, il reçoit une vision sur ta vie. La vie est précieuse, s'il vous plaît. Même les droits humains protègent la vie humaine. À combien plus forte plus forte raison, l'âme, voyez-vous Et lorsque quelqu'un veut t'imposer la main, lorsque quelqu'un veut te faire quelque chose, vérifiez dans les Écritures. Ouvrez la Bible. Dit tout le respect que j'ai pour vous, homme de Dieu, homme ouais, homme Dieu. Tout les respects que j'ai pour vous, est-ce que pourriez-vous m'éclaircir dans la Bible ce que nous voulons faire actuellement Les chrétiens d'aujourd'hui doivent, doivent avoir cette lumière, cette révélation, hein, cette capacité de comprendre la parole de Dieu. Tu es une sémence de vie. C'est le thème d'aujourd'hui. Tu es une sémence de vie. Donc, nous voulons faire comprendre l'église que la constitution a changé. Donc, quand Jésus est venu, il y a eu changement de constitution. C'est comme si on a élu un nouveau président, mais tu l'appelles au nom de l'ancien président. On dit le nouveau président s'appelle Jean-Luc, alors que l'ancien s'appelait Matthieu. Toi, tu continues à appeler Jean-Luc Matthieu. Tu, 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 tu vas passer à côté de la grâce. Voyez-vous, la constitution a changé. C'est... Dieu, dans la révélation du Fils qui a accompli la loi et il a établi de nouveaux principes dans la nouvelle alliance. Il dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'envoie vers moi. Donc, il est le seul chemin, la seule Condition sine pour voir Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc la voie du conseiller, c'est 100% Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le salut par la foi, par la croyance, au moyen de la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Voyez-vous, personne n'a gêné. Personne n'a prié pour que Jésus-Christ quitte le trône de la grâce, prendre la nature humaine et venir se livrer pour la cause du péché de l'humanité. Personne n'a gêné pour ça. Personne n'a payé des enveloppes pour ça. Personne n'a payé des sacrifices pour, pour ça. Il l'a fait par l'amour qu'il avait pour euh, sa créature. Voyez-vous, pour l'être humain qu'il avait euh, euh, créé. Donc, je suis une semence de vie. Nous avions dit, la loi a été donnée à Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues. Voyez-vous, tous ces services-là, jeûne et prière, cure d'âme, ça c'est l'ancienne alliance. Voyez-vous, et ça a été donné à Moïse, mais ça n'a pas résolu le problème du péché. Voyez-vous, mais la vérité et la grâce sont venues. C'est une personne. Nous voyons ça dans Jean chapitre 1, le verset 14. La vérité et la grâce est venue. Et nous avons contemplé sa gloire et l'abondance de sa grâce. La loi a été donnée, nous voyons ça aussi dans Exode chapitre 20. Mais le, le thème d'aujourd'hui, nous le trouvons dans Psaume chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 6. Voyez-vous, c'est un passage aussi qui est connu de tous. Nous allons rapidement lire les Écritures. Donc, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite. Qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa, en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne réussit pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît le, le voie des justes et le voie des pécheurs mène à la ruine. Voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde veut être heureux. Voyez-vous, tout le monde. Hein, ne nous voilons pas le visage, frères et sœurs, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si nous allons à l'Église, si nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour hériter la vie éternelle, mais, mais aussi sur terre, avoir une vie heureuse, une vie d'abondance, s'il le faut, une vie de surabondance, parce que la Bible dit, Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie et une vie en abondance. Et dans ce chapitre des psaumes, nous voyons ici, il y a deux personnes. Il y a le méchant. Et il y a les justes. Nous voyons que la condition sur la terre de ces deux personnes dépend aussi de mystère, de deux semences qui se trouvent à l'intérieur de ces personnes. Je répète, la Bible dit heureux l'homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Donc il y a deux choses. Donc tout, tout être humain a besoin d'être heureux. Mais la Bible dit il y a deux catégories ici. Il y a l'histoire de deux semences. Nous voyons deux personnes ici. Il y a le méchant et le juste. Dans le, à l'intérieur de ces deux catégories de personnes, leur vie sur terre être heureux ou malheureux dépend aussi de la semence de leur nature intérieure. Voyez-vous Donc la nature intérieure est la conséquence de ce que tu vis dans l'extérieur. Alors que nous venons à l'église, lorsque nous voulons voir les prophètes, lorsque nous voulons voir les pasteurs, lorsque nous voulons voir l'évangéliste, euh, les, 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 lorsque nous voulons voir un docteur, c'est la réalité. La voix du conseiller, nous voulons être concrets et réels dans l'évangile. Nous voulons contextualiser l'évangile. Parce que les psaumes, ce sont les poèmes, voyez-vous, ce sont les chansons de David, les psalamistes les dit, accompagnés d'instrumental, mais s'achève avec la dosologie. Plutôt la dosologie, c'est un terme théorie, euh, théologique j'explique. Dosa veut dire gloire. Euh, Logie veut dire logos. Donc ce sont des prières de louanges. David relate ses exploits qu'il a vécu avec euh, Elohim. Voyez-vous? Et là, il nous donne une histoire. Il dit, mais si tu veux être heureux sur la terre, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Et là, on nous, on nous montre des catégories de personnes. Il y a le méchant et il y a le juste. Donc, il est impossible d'être heureux et être loin de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est clair. Il dit cet homme-là qui, qui, qui veut être heureux, il doit être amoureux de la parole de Dieu. Il dit errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Il est comme un arbre. Je me suis posé des questions dans la présence de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez. Euh, 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 associer l'homme à un arbre. Voyez-vous, Je j'étais dans sa présence troublée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez nous enseigner par ces psaumes de David, hein? euh, par, par, par ces louanges de David, hein? que euh, l'homme euh, euh, qui ne pas accompagné de mon cœur, et, et qui ne fait pas chemin avec des médiseurs. Et cet homme-là, la Bible dit, il est, il est comme un arbre planté. Près d'un courant d'eau. Je me suis posé plusieurs questions. Il m'a dit: regarde, il y, a, il, y a, il y a le mystère de deux semences. Il y a des hommes, il y a le méchant et le juste. Et cette histoire des deux semences a existé depuis l'éternité. Voyez-vous, depuis que Satan est devenu Satan, parce qu'il n'a pas été créé Satan. Satan est devenu Satan par la rébellion. Les démons sont devenus démons parce qu'ils n'étaient pas des démons. Voyez-vous, il y a maintenant Dieu, le diable, il y a euh, euh, Caïn et Abel, il y a Isaac et Esaü, il y a l'ivré et du blé, le bien et le mal. Donc l'histoire de deux semences, donc tout dépend. Ton bonheur sur la terre dépend de ce que tu es, de ta nature intérieure. Et pour être, qui ne veut pas être heureux sur, sur cette terre mais la bible nous révèle que pour être heureux sur la terre tu dois être un arbre planté près d'un courant d'eau voyez-vous oh pour qu'un arbre pousse il y a un mystère qui se passe dans l'arbre voyez-vous le, 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 david nous révèle ici que la condition pour que cet arbre puisse produire le, le, le fruit à sa saison cet arbre doit être planté Près d'un courant d'eau... Cela m'a ramené dans la vie de Josué... Hein? Le, 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 Moïse dira à Josué... Que ce livre de la loi... Ne s'éloigne pas de ta bouche... Médite les nuits et jours... Car c'est en cela que tu réussiras... Dans tout ce que tu entreprendras... Alors que nous voulons être heureux... Nous voulons que les démons partent... Nous voulons la vie éternelle... Nous ne voulons pas mourir... Observez dans l'église... On peut donner toutes les requêtes possibles... On peut dire prier pour ceci, prier pour cela. Lorsqu'on dit prier pour l'esprit de mort, même celui qui ne sait pas prier va se lever pour prier. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas la mort non seulement intérieure, même pas aussi physique, même pas dans nos aspects physiques. Pas dans mon travail, pas dans ma vie, pas dans mes affaires, pas dans mon travail. Voyez-vous Donc lorsqu'on dit chassons l'esprit de mort. Ça montre que l'homme, dans son fort intérieur, il désire être heureux, il désire être dans l'abondance, il refuse la mort dans toutes ses formes. Je me pose des questions, la mort même elle-même se pose des questions, pourquoi on me déteste aussi autant que ça Voyez-vous Or, il y a un mystère là-dedans. Je dis, le thème d'aujourd'hui, je suis une semence de vie. Je germerai parce que j'ai la vie. Alors ici... David nous révèle que pour être heureux, si tu cherches la guérison, c'est parce que tu veux être heureux dans ta santé physique et spirituelle. Si tu cherches aussi la prospérité, c'est parce que tu veux être heureux. Mais la condition pour être heureux, c'est qui m'étonne. Et ce que le Saint-Esprit m'a révélé c'est qui m'étonne. Tous ceux qui suivent le prophète, les pasteurs pour être heureux, est-ce que ces personnes-là sont comme des arbres plantés? près d'un courant d'eau. Il est difficile d'être heureux et de ne pas être attaché au courant d'eau. Oh, L'eau, c'est la parole de Dieu. Il est difficile, si un homme de Dieu arrive dans une église, s'il vous plaît, et j'interpelle que cela devienne une pratique de tous les chrétiens, une vie de tous les disciples de Jésus-Christ. Si la personne se tient devant la chair, cette personne-là donne des prophéties, il donne des révélations, il guérit les gens. Vous avez vu la manifestation de la puissance de Dieu comme vous ne l'avez jamais expérimenté. Si cette personne-là n'a pas la révélation, de la personne de Jésus, dans son hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, il, a un, il y a un fort à parier que derrière sa démonstration de la puissance, qu'il y ait un ou plusieurs démons qui sont cachés dedans. Parce que la Bible le dit. Tu ne peux pas aussi nous rendre heureux. Chasser les démons, nous guérir, nous amener sur la montagne, nous amener dans 100 jours, nous amener dans plusieurs temps. Nous, nous montrer toutes sortes des esprits qui sont dans nos forts intérieurs et que tu sois incapable de nous révéler Christ. C'est en contradiction avec la parole de Dieu. C'est en contradiction avec la parole de Dieu. Noir sur blanc. Cette personne-là doit être comme un arbre planté. Voyez-vous, planté près d'un courant d'eau. Donc, tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit Parce que cette personne-là a l'abondance de la parole. My God. A l'abondance. Or, la parole, ce n'est pas une unité de langage pour communiquer avec autrui. La parole qu'on parle ici est une personne. La vérité, la grâce est venue. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le mystère est que cette parole s'est incarnée, s'est fait chair. Le mystère, l'Église, c'est la même chose. Vous et moi, voyez-vous, nous sommes la Parole de Christ incarnée en nous. Dans la résurrection, il s'est multiplié. La Bible a dit, il a réapparu à 500 personnes à la fois. C'était le but. Après avoir sauvé l'être humain, il a fallu que lui-même puisse entrer dans l'homme. Voyez-vous, c'est le but. Alors, que quand nous venons à l'église, nous cherchons la guérison, nous cherchons la prospérité, nous cherchons que le démon puisse partir, l'esprit de mort puisse partir. Mais est-ce que, moi en tant que prophète, lorsque vous venez à l'église avec tous ces problèmes-là, je dois veiller en sorte que vous soyez des arbres de vie plantés près d'un courant d'eau Oui les dons doivent agir à l'église, les capacités surnaturelles doivent agir à l'église, le discernement des esprits est très important à l'église, parce que la différence entre un chrétien et un païen, c'est aussi le Saint-Esprit voyez-vous le Saint Esprit qui nous permet de voir à l'au-delà de ce que l'humain ne peut pas voir mais pour avoir le Saint Esprit il faut d'abord passer par les disciples là c'est-à-dire la repentance la conversion la nouvelle la nouvelle naissance la pratique de la repentance si cette personne là est, est dans ton fort intérieur l'abondance la le, le source d'eau vivre ressort en toi ne vous laissez pas berner par des révélations s'il vous plaît ne vous laissez pas berner par la démonstration de la puissance. Si un homme de Dieu vient dans une église, il démontre parce que à ce temps de fin de la grâce, il y a une confusion. Nous sommes au temps de la confusion. On ne sait pas qui est dans le vrai, qui est dans le faux. On ne sait pas où est la vraie manifestation du Saint Esprit, où est le faux. C'est le temps de la confusion. À ce temps de la confusion, c'est le fruit. My God, c'est c'est pourquoi la Bible dit il produit le fruit à sa saison. Donc quand Christ se révèle à toi, c'est le caractère de Christ se révèle en toi. Galates chapitre 5 22 à 23, c'est manifeste. Le fruit de l'esprit après la démonstration, Christ doit se révéler à la personne. Ici nous sommes à l'ancienne alliance. Quand David écrivait ces choses-là, toi et moi nous n'étions pas là, on n'était pas à cette époque ici. Maintenant, comment est-ce que ce passage doit se marier à notre temps Voyez-vous Comment est-ce que ce passage doit se marier à l'évangile de la grâce Je vous révèle que chaque chapitre de l'Ancien Testament, chaque verset de l'Ancien Testament, chaque virgule, point de l'Ancien Testament a sa place dans le Nouveau Testament. Chaque livre, chaque verset, tout ce qui est dans l'Ancienne Alliance se trouve aussi dans la Nouvelle Alliance. Voyez-vous, dans la Nouvelle Alliance, c'est pareil, c'est textuel. Voyez-vous, et comment est-ce que ces psaumes de David qui nous révèlent, et nous, nous l'avons vu dans Josué, Josué ne pouvait rien faire alors que il a frappé le, le manteau, le Jourdain s'est fendu à deux, alors que il a pris l'assaut sur le mur de Jéricho. Comment Par la lecture de la loi. Il y a eu un travail en amont. Il dit que ce livre de la loi, Josué, lorsque tu as ça en abondance, ce livre de la loi, c'est Christ lui-même. Planté près d'un courant d'eau, c'est Christ lui-même. Lorsque tu as l'abondance de Christ, tu as tout. Tu as tout. Ça ne sert à rien de passer par plusieurs chemins. Ça ne sert à rien du tout. Voyez-vous, ça ne sert à rien. Aucune révélation dans l'Église, aucune démonstration de l'Église ne doit faire l'objet de l'appel de fond. Rien. Parce qu'ils le savent. Lorsque la puissance se manifeste, la personne est troublée et après on dit, euh, euh, passer ici, d'autres commencent même 300. Dieu m'a dit 300. Lorsque 300 ne marche pas, il dit Dieu m'a dit 200. Lorsque 200 ne marche pas, je veux que tout le monde participe à cette bénédiction. Même ceux qui ont des 30 euros, des 10 euros. Les autres descendent même jusqu'à 1 euro. Le prophète de la nouvelle alliance, l'homme étoile, je ne peux pas laisser passer inaperçu ce genre de pratique. Je ne peux pas laisser passer inaperçu. Voyez-vous? Il faut que cela s'arrête parce que être heureux est condition d'avoir Christ en soi et il produit son fruit à sa saison, voyez-vous. Et la Bible dit, cela ne signifie pas que toi tu dois quitter le milieu de païens. Non, parce que le méchant lui il est déjà dans les camps de l'ennemi, voyez-vous. Lui il est déjà à la merci de l'ennemi. Mais cela ne justifie pas que non tu dois éviter ton entourage. Non, tu dois vivre au milieu de cet entourage là. Mais toi, tu dois rendre témoignage de Christ, de sa justice. Voyez-vous, on doit sentir la différence entre toi au milieu de méchants, comme ce fut le cas en Égypte. Comme ce fut le cas en Égypte, quand Israël devrait sortir à la dixième plaie, ce qu'on nous a pas révélé, on a pris l'agneau, il devrait être observé pendant 14 jours avant de le sacrifier. On devrait se rassurer que cet agneau était un animal pur, au milieu. De la Souffrance au milieu de la tribulation au milieu de l'épreuve, mais l'agneau était là. On l'a observé pendant 14 jours. Pac voyez-vous, or l'agneau qu'on a sacrifié à la dans l'ancienne alliance, cet agneau n'était pas ressuscité. L'ancienne alliance, mais l'agneau de la nouvelle alliance, lorsqu'il s'est rendu à Dieu, il est ressuscité. C'est la différence, c'est ça la différence. Or, je me suis posé des questions dans la présence de Dieu comment est-ce que tu me compares, moi, avec un arbre vous connaissez Vous savez, pour qu'il y ait un arbre, il faut qu'on jette la sémence dans le sol. Il faut que la sémence, Matthieu 13 nous le révèle. C'est Christ lui-même qui donne le mystère du parabole de semeur. Matthieu 13, faute du temps, je ne pourrais pas lire. Je paraphrase et j'explique. Voyez-vous, Matthieu 13 nous le révèle. Donc, il, 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 il donne le parabole de semeur. Matthieu, si vous voulez bien, c'est lui qui a révélé Jésus-Christ comme étant roi et le seul Messie qu'entendait Israël. Il était perspecteur inspecteur des impôts, de formation et de profession. Il exerçait son métier entre Rome et Jérusalem. Voyez-vous Donc, lorsqu'il a entendu parler de Christ, il a abandonné sa profession pour se rallier. Et il a obtenu aussi la grâce d'être compté parmi les douze. Le mystère est que Jésus n'avait pas que douze disciples. Jésus avait plusieurs disciples, mais il y avait les douze qui avaient la grâce de s'associer à son ministère. Il y a Joseph d'Arimathée, il y a Zaché, voyez-vous, il y a Marie de, 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 de Magdala, il y a Marthe, il y, a, il y en a plein qui étaient autour de lui. Mais lui, Matthieu, il a obtenu la grâce d'être parmi ceux qui devraient s'associer à son ministère, parmi les douze. Et là, Matthieu nous révèle son évangile. Matthieu nous donne son témoignage de parabole de Christ voyez-vous il dit Jésus dira c'est comme un semeur qui est sorti pour semer l'arbre doit être planté près d'un courant d'eau mais pour avoir l'arbre il faut que la semence rentre dans la terre nous voyons le fruit tu es une semence de vie nous voyons le fruit nous sommes attirés par le fruit mûr nous voulons bien manger ce fruit, mais il y a un travail qui se passe dans la partie cachée de l'arbre. C'est le travail de l'Église. C'est le mystère de l'Esprit avec les disciples. Vous savez, quand Jésus était dans la, dans la foule, il parlait en parabole, mais en intimité, en secret, il ouvrait le mystère aux disciples. Voyez-vous, ce n'est pas dans la foule, ce n'est pas dans, en plein air que tu auras la révélation de ton bonheur. Non, loin de là, Christ n'a pas fonctionné comme ça. Il, il, les a, il les a dit aux disciples, il vous a été donné à vous la grâce de comprendre le mystère du royaume. Parce que dans la foule, il jetait le filet, il jetait la semence à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui recevait la semence Ceux qui recevaient la sémence, ils ont été prédestinés au salut. Nil Ni ne vient, vient à moi, ce n'est mon Père qui l'a envoyé vers moi. Voyez-vous, et il le révèle clairement, il dit, c'est comme un sommaire qui est sorti. Il jette la sémence. Voyez-vous, il jette la sémence. La sémence, c'est la parole. Voyez-vous, la sémence, c'est la parole. Oh, la sémence doit rentrer dans la terre. La terre, c'est le cœur de l'homme, c'est l'être humain. Ceux qui entendent cette parole, il y avait deux camps. Il y avait le, le, le camp de la loi de Moïse qui s'est catégoriquement opposé à Christ. Si ce n'est quelques-uns qui étaient prédestinés au salut. C'est comme à ce temps où nous sommes. Frères et sœurs, je vous rassure, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter l'évangile de la grâce. Ce n'est pas tout le monde. Parce que les gens sont habitués au sacrifice. Ils sont habitués pour avoir ceci. Il faut aller dans ça. Mais attends, Jésus est venu, il a tout accompli. Et il te dit, prends gratuitement. Toi, tu veux acheter. Toi, tu veux acheter. Voyez-vous? Et il faut que la semence rentre dans la terre. Or pour que la semence se produise, il faut que à l'intérieur de cette semence puisse avoir la vie. Il faut que la semence puisse porter la vie. Mais dans le sous-sol, il y a un travail de secret qui se passe, c'est le mystère de l'arbre, la racine de l'arbre avec le sol. On voit le fruit, mais il y a un grand travail que l'arbre fait. Dans le sous-sol, c'est le mystère du sein maternel de la femme avec la semence de vie qui se trouve dans son utérus. S'il vous plaît, la femme elle-même ignore ce qui se passe dans son utérus. Même le médecin, le plus grand gynécologue, ne maîtrise pas ce qui se passe. La semence que la femme a reçue, cette semence doit passer certaines étapes. Avant que nous puissions dire, waouh! et elle a donné un bon bébé. elle est belle. Eh, il est joli. Avant d'arriver à ça, il y a un travail. C'est le travail de l'Église. La racine et l'arbre. Il y a des arbres qui descendent très profondes, comme les palmiers. Les palmiers. Comme la ville de Soko, là où David a passé la bataille avec Goliath. Il y avait des palmiers qui les entouraient. Voyez-vous, il y a un mystère. La semence dans le sous-sol doit pourrir. Et Jésus dit, c'est comme un semeur qui jette la semence. Il donne quatre, quatre, quatre types de terre. Voyez-vous, la semence c'est la parole, la terre c'est le cœur de l'homme. Il dit, il y a des semences qui tombent sur un chemin. Et ceux qui tombent sur un, un chemin, ce sont des personnes qui, qui ne sont pas prédestinées à la conversion. Et les personnes qui ne sont pas prédestinées à la conversion, ce sont ceux-là qui fatiguent les, les pasteurs et les hommes de Dieu. Et pourquoi Parce que le pasteur reçu lui-même, s'il est une semence prédestinée à la destruction, parce que la Bible dit l'abomination de la désolation sera établie dans le sein de saint, au temps de fin de la grâce. Lui-même, il sait qu'il n'est pas avec Christ et il va te laisser dans l'ignorance. Ce sont ces personnes-là qui suivent la délivrance, la guérison, qui vient du matin au soir, du jour au jour, année par année, le même problème. Lorsque seulement on dit, il est la première personne à tomber. Il est la première personne à trembler. Parce qu'il n'a pas la sémence de vie. La Bible dit la sémence est tombée sur le chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus. Ils ont ramassé cette sémence. Cette catégorie de personnes, ce sont des pharisiens et des sadducéens. Bien qu'ils ont vu Christ, bien qu'ils avaient la prophétie, bien qu'ils savaient que c'est lui le Messie. Quand bien même Bartime l'a révélé, fils de David, ils ont entendu de leurs propres yeux. Mais ils n'étaient pas prédestinés à la grâce. Ils n'étaient pas prédestinés à la grâce. Il y a des personnes qui ne vont jamais se convertir. Jamais. Jean les a dit, Jean 3, chapitre 7, race des vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir produisez donc le fruit dignes de la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a des personnes qui ne vont jamais se convertir. C'est ce genre de personnes là où la parole de Dieu est prêchée. Voyez-vous, je vous ai dit autrefois ici pour construire l'arche de Noé, ça a pris un siècle. Il y a des gens qui pensent que tout ce que nous disons ici, ce sont des amusements, Christ ne reviendra pas. Il va revenir, certainement il va revenir. Voyez-vous, et l'enfer existe. Voyez-vous, et cette catégorie-là, ce sont des pharisiens et des sadicéens qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui sont restés bornés dans la loi. Sortez au milieu d'eux. Partout où vous allez pour une guérison ou pour une restauration ou pour euh, la prospérité, pour la protection de, vos, de, de tes enfants ou de ta famille, et on te demande en termes clairs de l'argent pour ça. Je ne suis pas contre la dîme, les offrandes et les dons volontaires, mais partout où vous allez, ou pour le salut, pour la guérison, pour ton salut intérieur, il nous faut un sacrifice, une enveloppe, un harcèlement de finances. Il n'y a, a pas Christ là-dedans. Il sert le ventre, il n'y a pas Christ. Sortez de là, c'est de la semence tombée au bout du chemin. Et il dit, d'autres ont tombé sur des de cailloux, de voies pierreux. Un cœur qui aime les bons messages, mais qui n'est pas convaincu du péché. L'objectif de la voix du conseiller... Ce n'est pas de vous donner un message pour vous plaire. Non. Il y a des personnes, quand il est à l'église, quand il écoute les prophètes Moïse comme ça, il dit Waouh Waouh Vraiment, Seigneur, moi-même, je vais devenir comme ces messieurs-là. Je vais parler comme ces messieurs-là. L'objectif, ce n'est pas de, de, que, que, que ce message te fasse du bien à l'oreille. Non. L'objectif est que toi-même, tu deviennes disciple de Jésus-Christ. Voyez-vous Que ce message touche ton cœur. Que tu ne sois pas euh, une terre où il y a des de cailloux. Tu écoutes les messages, après juste l'émission, tu retournes à ta vie. Tu retournes à ta vie. Hein? Il y a un mélange, on ne sait pas. Tu es chenille ou tu es papillon On ne te comprend pas. Tu aimes bien nous écouter. Tu aimes bien écouter la parole de Dieu. Tu aimes bien cette émission. Mais après cette émission, c'est quoi ta vie c'est quoi ta vie? La vie ne se résume pas à cette une heure de, de l'émission. Il faut que ce que nous parlons ici, que tu sois sensible à ce que nous disons. Cette parole frappe ton cœur. Tu dis oui, j'ai suivi cette émission. Maintenant, je dois prendre la décision de marcher avec le Seigneur. Oui, c'est là seulement que tu seras heureux. Mais si tu t'habitues à écouter des, des belles prédications, des beaux enseignements, et que cela n'a pas d'impact sur ta vie, tu es comme une terre qui est remplie de cailloux. Et là, le problème va continuer. Et ça c'est un, un chrétien charnel voyez-vous c'est un chrétien charnel qui est prêt qui peut même abandonner la voix de Dieu il écoute c'est bon mais après il dit bon ces choses là ça nous fatigue depuis qu'on a commencé on n'a pas de résultat pourquoi parce que la semence n'a pas encore touché ton fort intérieur l'objectif de la voix du conseiller Jésus-Christ au centre de l'Église et au travers de si vous entendez la voix du Seigneur, dire ce pas votre cœur. Soyez sensible à la parole, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ revient. 90% des signes prophétiques sont déjà accomplis. Voyez-vous, je vous ai dit ici autrefois la généralisation du phénomène tatouage. Vous ne voyez pas cela? Vous ne voyez pas cela? Tout le monde se tatoue, sans but valable. Nos soeurs, c'est des habits sans cause valable. Eh, nous sommes bien Tout le monde veut être nu sans cause valable. Vous savez pourquoi Parce que la dernière prise de définition du diable est déjà mise en route. My God, en tant que prophète, mon œil est debout. La dernière prise de définition du diable, la séduction. C'est sa dernière prise. La Bible dit s'il le font même, les élus seront séduits. Et pour être séduit, le diable doit mettre la barre très haute, très haute. Et la barre très haute, c'est la séduction, la convoitise des yeux. Observez seulement l'habillement. Même les hommes se déshabillent aujourd'hui. Même les hommes portent les dunes taille basse. Même les hommes. Voyez-vous Donc la, la dernière prise, c'est la séduction. Et l'objectif. Du diable à l'Éden, c'était de déshabiller Ève. Qu'elle reste nue et faire d'elle un instrument de séduction pour Adam. Tu es une semence de vie. Il faut que la semence tombe dans ton cœur. Cette semence, dès que ça tombe dans ton cœur, Galate 5, 22, 23, doit se matérialiser en toi. On doit voir le fruit de l'esprit en toi. Tu es au milieu de méchants, mais toi tu es heureux. Il est possible d'être heureux, d'être stable au milieu de la tribulation. Voyez-vous, Jésus, les disciples dans la barque, le vent a soufflé, mais lui, il était stable. Ce qui n'avait pas encore Christ en lui, en eux, les disciples, parce que là, il n'était pas encore dans leur cœur. La semence n'était pas encore dans leur cœur. Ils ont paniqué par le vent. Et Psaume le dit, c'est lui qui n'est pas le méchant, il n'est pas fondé, il n'a pas la parole, il n'est pas assis, moindre problème qui, qui s'agite. Il suffit seulement qu'une maladie l'attaque dans le corps, c'est fini. Il doit voir les démons partout. Il doit voir les mauvais esprits partout. Il suffit seulement qu'il reste au salon et que le vent rentre dans sa maison et ça secoue une assiette sa tombe tout seul. Bam ça suffit pour lui le diable est dans sa maison. Ça suffit pour lui le diable est dedans. Il va crier et verser le sang précieux de Jésus qui n'est pas destiné à verser sur le corps des humains. Il va verser ça partout. Voyez-vous Ça montre l'état de cette personne-là. Et nous avons cette catégorie de personnes pleines à l'église. Chers serviteurs de Dieu, je vous en supplie par les compassions de Christ. Ne laissons pas ces personnes ignorantes. Révélez à ces personnes qui est Christ. Et dès qu'ils rentrent dans leur vie, qu'est-ce que ce Jésus peut faire dans leur vie Parlons plus de Jésus que du diable. S'il vous plaît. Parlons plus de Jésus. Révélons la sémence, la parole de Dieu dans les cœurs de l'homme. Qu'est-ce que cela peut entraîner dans les cœurs de l'homme et Troisième catégorie, les épines. L'art de deux visages, les hypocrites, les chrétiens flottant comme Simon Pierre. Je serai avec toi quand bien même tout le monde Qu'est-ce qui quand bien même tout le monde te laisse, moi je serai là. Et lorsqu'il a coupé l'oreille de Marcus dans la cour de Pilate, et puis c'est une femme qui l'a qui humilié. Voyez-vous, toi, je vois certainement que tu es non. Nakombo Nzambe, Walai, je te le jure, Walai, Bilai, Talai, ce monsieur-là, je ne le connais même pas. Il y a des gens comme ça. Quand il est à l'église, il est saint dans les quatre murs locaux. Saint, par présomption, dans l'église. Tout le monde est saint, les quatre murs locaux. Mais lorsqu'on sort de là, c'est là où on reconnaît celui qui a reçu la vraie sémence. C'est là où on reconnaît celui qui a reçu la vraie sémence. Pierre, dans la cour de Pilate, lorsqu'on l'a interrogé, il n'avait pas... Oh my God Seigneur, comment est-ce que nous pouvons encore expliquer la grâce Voyez-vous Là, il n'avait pas encore Christ en lui. Il était Simon, flottant, parce que Christ n'était pas encore en lui. La semence n'était pas encore dans son cœur. Il entendait Christ. Il croyait avec des doutes. C'est pourquoi quand même quand il est parti en désert de Guésemane, « eh André, très charnel. C'est pourquoi quand il a arraché l'oreille de Marcus, Christ lui a dit, Pierre, attention, moi mon épée là, ce n'est pas l'épée physique. Moi c'est la, la parole. Je suis la parole incarnée. Attention Pierre, si tu tiens l'épée, tu finiras par finir par cette même épée. Voyez-vous, il était flottant. Mais lorsqu'il a reçu Christ, la pentecôte, acte chapitre 2, lorsqu'il a reçu Christ, il n'était plus flottant, il était sur peuple de Jérusalem. Le Jésus Christ que vous avez crucifié, c'est en son nom que nous prêchons l'évangile. Parce qu'il avait une assurance en lui, il avait quelqu'un en lui. Mais pour y arriver là, Pierre était une terre où la semence est tombée dedans. Il a quitté les deux visages. Les épines, c'est-à-dire une personne qui reçoit la parole, mais il est encore attaché au plaisir de ce monde. Qui peut croire aujourd'hui que le Seigneur va mettre fin à cette planète avec toute l'invention de la technologie que nous voyons, avec la dernière invention de la technologie Qui peut croire que toutes ces choses-là passeront Qui peut croire, frères et sœurs, facile à dire, difficile à vivre, il faut vraiment que la semence tombe dans ton cœur. Il faut qu'il y semence vitale. Voilà pourquoi l'Église n'endormons pas le peuple de Dieu, chers serviteurs de Dieu. Ne n'endormons pas le peuple de Dieu. Révélons Jésus Christ comme il le faut. Sinon, l'enlèvement là que vous entendez, c'est pas de la blague. Ce n'est pas tout le monde qui ira. Je vous révèle vrai. Ce n'est pas tout le monde. Il faut vraiment que la semence tombe dans ton cœur. Il faut vraiment que la nouvelle naissance soit attestée au milieu de méchants. On n'a pas dit de fuir les méchants. Mais on a dit au milieu de toi, tu dois avoir un témoignage. Toi, tu dois avoir un témoignage de la justice de Dieu dans ta vie, mais de ne pas compromettre avec le méchant. Israël étant en Égypte, Israël avait gardé son identité hébreu, voyez-vous. Mais la quatrième partie, on dit la bonne terre. Donc quand une semence tombe sur la bonne terre, cette semence-là a un processus. Il y a un temps où la semence doit pourrir. Voyez-vous, la semence doit pourrir. Le temps de la pourriture, c'est le temps où Jésus travaille dans ton fort intérieur. L'homme intérieur s'écrase. Je vous ai dit autrefois, et la Bible l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'homme intérieur, on ne la délivre pas, on ne le délivre pas, on ne le restaure pas. Cet homme-là s'écrase. La semence doit rentrer à l'intérieur. C'est un temps où tu vas sentir comme si tout le monde t'a abandonné. C'est comme Christ seul sur la croix. Il avait les douze dans, à, au désert de Gethsemane. Mais tant que Yomé il Babi, non, 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 Makambo Yo Yomuto Lukakiango. D'après ce qu'ils disent aujourd'hui, on resitule ça en Yomoko. Voyez-vous C'est ça la foi chrétienne. Lorsque la semence rentre dans ton cœur, tu finis sur la croix tout seul. Tu finis sur... La... Tu ne peux pas goûter au délice du royaume en contournant la croix de Jésus. Il faut que la croix de Jésus monte dans ton cœur. Tu dois goûter au clou. Tu ne veux pas goûter au clou. Tu ne veux pas goûter au clou. Pour, pour que tu ailles même à ton église aujourd'hui, il faut qu'on t'envoie un SMS. Il faut qu'on t'appelle les hommes de Dieu sont là maintenant pour te supplier. On doit te supplier. Il y a même ceux-là qui ont pris la décision. Je n'irai plus à l'église. Ça montre que la croix n'a pas encore monté dans ton cœur. Parce qu'il y a un temps de la croix. Il y a un temps où la semence doit pourrir dans le sous sol Et quand la semence est en train de pourrir dans le sous sol celui qui a planté la semence, il peut même marcher sur cette sol sans se rendre compte qu'il y a la semence à l'intérieur. Mais dans l'intérieur de la sémence, il y a le germe de vie. Voyez-vous, après quelques temps, cette sémence-là va pousser. Il y aura une petite fleur qui va sortir. Voyez-vous, il y a un temps pour chaque chose, dit Ecclésiaste. Voyez-vous, tu as une sémence de vie. Le problème pour être heureux, il faut avoir la sémence de vie. Et la sémence de vie, c'est la vraie nouvelle naissance. Voyez-vous? Ce, 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 ce ne sont pas des prières, ce ne sont pas des gènes, ce ne sont pas tous ces physiques. Non, le problème se trouve dans le niveau de la nouvelle naissance. Et lorsque tu es né de nouveau, ta prière tourne autour de la paternité de Dieu, la relation, ta communion. C'est là que découle. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez-vous, planté près d'un courant d'eau. Et si, il, est, il est compliqué d'être béni, il est compliqué d'avoir l'aisance. Euh, euh, L'abondance et ne pas avoir l'amour de la parole de Dieu. C'est bizarre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voyez-vous, je veux être heureux, je veux tout avoir. Mais pose la question à cette personne-là qui vient à l'église pour tout avoir. Juste la compréhension d'un seul livre. D'un seul livre de la Bible. Juste la compréhension. Pose-lui la question qui est Jésus Qu'est-ce qui s'est passé à la croix Juste ça. Mais les gens viennent avec des problèmes sociaux. Alors, ils veulent être heureux, mais ils ne sont pas des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et cet arbre-là, pour que ça naisse, il a fallu qu'une sémence quitte le trône. My God. Il a fallu qu'une sémence quitte le trône puisse entrer dans la terre, le sein maternel de Marie. Voyez-vous, il a fallu un mystère dans le sein maternel. Et lorsqu'il est né, c'était un chemin à faire. C'était tout un chemin. Jusqu'à monter sur la croix, la Bible a dit lui qui était Dieu, il ne s'est pas arrêté à être Dieu, il s'est fait humain, il est allé jusqu'à laver les pieds des disciples, il est monté sur la croix, il a été enseveli, il est allé dans les zones inférieures de la terre, il est ressuscité, il est monté au ciel, celui qui est assis sur la droite est le même que celui qui est assis sur le trône, mystère. Et la Bible dit, à la finalité, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom, qui est au dessus de tout nom, de sorte que tout genou fléchisse. Devant ce nom. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. Toi, tu veux la gloire, mais tu ne veux pas le processus. Tu es une sémence de vie. Tu es une sémence de vie. Ton problème, c'est d'avoir la sémence de vie en toi. D'avoir la révélation totale de la personne de Jésus. Voyez-vous, quand le problème physique entourent ta vie, essaye de t'interroger d'abord c'est quoi ton identité est-ce que tu es une sémence de vie Est-ce que la parole de Dieu sur, dans ton cœur est tombée sur les chemins Est-ce que sur le pierre Est-ce que c'est des épines Ou bien tu es la bonne terre Si tu es la bonne terre, Galates 5, 22, 23 doit être aussi visible et manifeste. Le fruit de l'esprit, la pratique vrais digne de la repentance doit être manifeste au milliers de méchants. Voyez-vous Au milieu de méchants, il est possible d'être stable. Comme Jésus est venu au milieu des pharisiens, des sadicéens, au milieu des afflictions et des oppressions, mais il était stable. Pourquoi Parce que lui-même, il était la semence de vie. Voyez-vous Et il avait la germe de vie. Tu es une semence de vie. N'abandonne pas la foi chrétienne. Parce que eh, quelqu'un a dit même... Eh, eh, Voyez-vous, n'abandonne pas la foi chrétienne à cause de Voyez-vous, n'abandonne pas la foi chrétienne à cause des difficultés. Oui, la Bible dit les souffrances de temps présent ne seraient guère comparées à la gloire à venir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, moindre problème à l'église, tu tailles le chemin. Moindre compréhension, tu tailles le chemin. Et ça ça se voit clairement que tu es encore charnel. Voyez-vous, parce que l'église même n'est pas la dénomination L'église, c'est l'ensemble de, de racheter. Voyez-vous, sauver en lui Christ Jésus. Ce ne sont pas nos communautés qui sont des églises. Ça, c'est les lieux où nous nous rassemblons pour célébrer l'œuvre totale, complète, parfaite et achevée de Christ. Tu es une semence de vie. Et si tu n'es pas encore une semence de vie, frères et sœurs, je vous exhorte. La Bible, ce n'est pas une histoire, la pensée humaine. Ce sont des réalités, c'est un requête de l'information. Quand on dit que Dieu a détruit le monde par les déluge, c'est une réalité. Noé a existé. Les traces archéologiques existent. Faute du temps, ce n'était pas le thème d'aujourd'hui. Voyez-vous, Moïse a traversé la mer rouge. Les traces existent. Et la Bible dit, la catastrophe qui va arriver à ce temps de fin de la grâce, ça n'a jamais, jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Le déplacement polaire. La planète en Sema licolo Imaginez cette catastrophe. Et le déplacement polaire a commencé. On nous a parlé ici de sauver la planète. Qui peut sauver la planète Voyez-vous, qui peut sauver la planète Tu es une sémence de vie. Il est grand temps d'analyser ta vie pour voir est-ce que je suis une sémence de vie Un chrétien est celui chaque matin, il doit vérifier sa connexion. Maintenant nous on ne, vérifie, on ne vérifie pas la connexion du surnaturel On vérifie si mon Facebook a une connexion Voyez-vous Il faut vérifier la connexion Est-ce que si ça sonne aujourd'hui Est-ce que je vais monter Est-ce que je suis une sémence de vie Et si tu es une sémence de vie Il y a une étape que tu dois traverser Et l'étape que tu traverses ne voit pas des démons partout L'étape que tu traverses Ce n'est pas seulement, tout n'est pas le diable s'il vous plaît Tout n'est pas le diable Il y a, une, il y a un processus c'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte ne mange pas n'importe comment, ne se couche pas n'importe comment, ne se promène pas n'importe comment et ne permet pas aussi à tout le monde de toucher à son ventre. Parce qu'en elle, elle attend quelque chose. Elle a une semence. C'est un mystère qui se passe dans son ventre. La partie secrète, c'est pourquoi Christ les avait dit. Il vous est donné à vous de connaître le mystère du royaume de Dieu. Seul aux enfants de Dieu, pas aux méchants. S'il vous plaît, tu es une semence de vie. Tu germeras parce que tu as la vie. Le problème, ce n'est pas la maladie. Le problème n'est pas la situation que tu traverses. Le problème est de t'interroger face à ta situation. Est-ce que tu as la semence de vie Et la sémence de vie, c'est Christ. Est-ce que tu as Jésus Christ dans ton cœur C'est ça, la voix du conseiller. Christocentrique. Jésus Christ au centre des cœurs de l'homme. Est-ce que Jésus Christ est Toi-même, quand tu t'observes. Si Christ revenait aujourd'hui. Paf! Est-ce que vraiment tu vas monter? Est-ce que tu iras au ciel? Parce que le méchant est déjà jugé. Entre parenthèses pour finir, les justes ne, seront pas, ne passeront pas au jugement. On dit qu'ils seront enlevés. Ils seront transformés en un clin d'œil. Le Saint-Esprit ne viendra pas pour juger les justes, pour les sauver. Non, ils ne passeront pas au jugement. Ce sont les méchants qui passeront au jugement. Frères et sœurs, soyez une semence de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo, partagez ces messages, c'est sauver une famille, sauver un frère, sauver une soeur. Que le Seigneur vous bénisse, c'était bien votre humble serviteur le prophète Louvunga Moïse Damien, homme étoile LMD entre les mains d'Elohim, suscité en ces temps de fin de la grâce pour accélérer l'église en parole et en esprit à maturité ayant comme étoile de fond euh, la vision de l'éternité car Christ arrive, merci au révérend pasteur Efonga qui était avec nous à la régime à Manadine, qui nous assure toujours la technique que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée, au revoir